sambe na jika mwa bare mananga benanga yo mapananga yo sambe na jika mwa bare mananga Yesu nanga yo mubiki sinanga sambe na jika Ecclesia na piso Mbena mbayo Papa na mbayo Mbena mbika mwa Ecclesia na piso Yesu na Voilà, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices préférées de l'émission La Voix Triomphante à la RTVS satellitaire. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare le cœur de tout un chacun à recevoir le rhéma qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus. En ce mardi 3 octobre 2017, en direct, avec votre bien-aimé, le pasteur Capitaine Mbombé, celui qui vous établit dans la foi et dans la particularité, le mariage est bon, lui balise à bien. Je vous salue dans cette émission un peu spéciale de récupération parce que vous me suivez chaque dimanche en direct à partir de 5h45. Mais voilà qu'aujourd'hui, mardi, le 3 octobre 2017, vous êtes en train de suivre cette émission. Peut-être que ça vous étonne, mais je crois que les gens qui m'ont suivi par écrit sur Facebook, je les ai informés que je vais passer aujourd'hui dans cette émission spéciale pour être une source de bénédiction pour vous. Voilà, mes bien-aimés, je profite aussi de cette occasion pour vraiment vous saluer tous et prier que le bon Dieu vous accorde la paix que le monde ne peut pas donner, celle Jésus-Christ, le prince de la paix. Laisse que cette paix-là soit dans toute personne qui est en train de suivre cette émission et surtout pour ceux-là qui sont vraiment attristés suite à la perte d'un être cher. Alors là, nous pensons vraiment à l'homme de Dieu, ce grand homme de Dieu qui nous a précédé auprès du Seigneur, Papa Olangi. Je souhaite mes condoléances à Docteur Mama Olangi ainsi que toute la famille du Papa Olangi qui nous a quittés, comme aussi toute la famille chrétienne du combat spirituel, comme aussi le corps de Christ. Vraiment que le Seigneur vous accorde la paix que seul Jésus, le prince de la paix, peut vraiment donner cette paix qui vous donne le contrôle de toute situation, quel que soit ce moment difficile. Vous savez, aujourd'hui, je vais commenter ce que je suis en train de partager avec des millions de personnes partout dans le monde au travers de mon site internet www.capitalministries. Je crois que je vous avais montré ça la fois passée, donc www.capitalministries. Ça, c'est le site internet que je vous recommande de commencer à suivre chaque matin avant 6 heures. Vous allez vraiment bénéficier de la bonne parole de Dieu comme aussi des très belles pensées qui vont vous aider en cliquant sur ces clics, ces sites internet que vous voyez en ce moment. Je suis en direct. Ça, je vous le recommande à partir d'aujourd'hui, parce que c'est de cela que je vais parler tout à l'heure, c'est-à-dire la méditation journalière de ce mardi 3 octobre 2017 sur le thème « C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer ». Voilà, mes bien-aimés, d'ailleurs, voilà les textes que j'ai tirés sur mon ordinateur à partir de l'imprimante. Donc, le texte est là.
de la méditation journalière de ce mardi 3 octobre 2017 sur le thème « C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer ». Donc ça c'est vraiment important. Je suis venu vraiment pour ça. Bandeko Balantiba, fidèle téléspectateur, téléspectatrice, Nenge Bozomon un peu, moi titre Wana, méditation journalière de ce mardi 3 octobre 2017 sur le thème c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Proverbe 10, 22. Amen. Voilà Bandeko. Ce qui n'a la qui s'y a parce que n'a l'ingé ndeko, au bandako manuela kalilou bananzambe, tongo, le kolana tongo boye, ozomo nangai, en direct, na émission oyo, ya solo ndengo zali kolana na tango oyo, en direct, na tongo, pona manuela na yo lilou bananzambe, ndenge bible le pina mukanda ya Josué chapitre 1er verset 8 qui c'est livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, que tu vas réussir, que tu vas agir avec sagesse dans les affaires de la vie, que tu vas prospérer. Amen. Voilà, alors comme je viens de le dire, ça, c'est vraiment une information la plus importante que je viens de donner tout à l'heure en vous montrant du moins ce fait que je viens de tirer sur mon imprimante de la méditation journalière de ce mardi 3 octobre 2017 sur le thème « C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer ». Et c'est partout dans le monde que les gens sont en train de suivre, de lire cela. Je dis bien partout, du moins, ceux qui entrent même sur ma page Facebook Capital Mbombe. Si vous entrez sur Facebook Capital Mbombe et vous allez voir du moins le lien de ce site internet, une fois que vous cliquez sur www.capitalministries.org, vous verrez cette méditation biblique que je vais d'entreléger partager aussi avec vous, en faire aussi les commentaires, parce que vous savez, les gens qui méditent la parole de Dieu, ce sont des gens qui ont le succès, les gens qui réussissent, les gens qui agissent avec sagesse dans les affaires de la vie, parce que la sagesse, c'est la capacité de résoudre le problème, et ce sont des gens aussi qui prospèrent. Comme la Bible le dit dans 3 Jean 2, la prospérité sur le plan matériel et financier, comme aussi la prospérité dans leur corps physique, du sommet de la tête jusqu'à la plante de leurs pieds, leur corps donne gloire à Dieu par la bonne santé, comme aussi et surtout cette prospérité spirituelle au niveau de l'âme, parce que c'est la plus grande prospérité qui a des retombées sur le plan physique dans notre corps, et comme aussi sur le plan matériel et financier, c'est-à-dire prospérer au niveau de ton âme. Or, comme je l'ai toujours dit, l'âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'une âme humaine a de la valeur plus que toutes les ressources du monde mises ensemble. Si vous prenez même toutes les villes capitales du monde entier, vous ne pouvez pas les comparer à une âme humaine, à une personne humaine, à une personnalité. Donc l'âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Tel que vous êtes en train de me suivre, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes important, vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que vous êtes appelé à pratiquer. Amen. Et chaque fois que vous me suivez, et surtout en lisant aussi, vous deviendrez des bons lecteurs au niveau du Facebook sur mon site internet www.capitalministries.org pour qu'on médite ensemble avec vous la parole de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, ma vie a changé tout simplement parce que je suis un grand méditateur de la parole de Dieu. Et la preuve en est qu'on donne que ce qu'on a, les gens ici dans cette ville de Kinshasa, dans ce pays, la RD Congo, même les témoignages partout dans le monde, ils vous diront, ils suivaient chaque matin à 6h du matin le pasteur Capital. Quand je passais, que ce soit d'abord à la RTNC nationale, ça c'était vers les années 1995. Après, c'était à la RMV, Radio Message de Vie. Vous vous rappelez de l'ancien des anciens, c'est bien moi en personne. C'est lui qui méditait la parole de Dieu chaque matin avec les gens. Et après, suivi par à la RTAE, Radio Télé Armée de l'Éternel, que j'ai quitté d'ailleurs il y a
un mois, depuis le début du mois de septembre de l'année passée, mais je faisais la méditation chaque matin de 6h à 6h45 et dans d'autres chaînes également. Et voilà aujourd'hui à la RTVS, un satellitaire, en ce mardi 3 octobre 2017, en direct, peut-être une émission un peu spéciale. Comme je l'ai dit, je passe chaque dimanche à partir de 5h45 et la rediffusion de l'émission, c'est le mardi à 0h45. Comme cette émission que vous êtes en train de suivre, je crois que vous suivrez sa rediffusion. Ça, on va vous programmer peut-être à 0h45. Vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission que je fais le dimanche, juste le 1er octobre 2017. Alors, je vais commenter un peu cette méditation et puis après, je vous laisserai le temps, mais je vais vous donner aussi une grande information importante parce que à partir de demain, mercredi 4 octobre 2017, c'est le démarrage de l'école de formation publique REMA FEBER, cette école qui va former dans les 5 mois ici, les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, à l'occasion du 20e anniversaire de l'église REMA, l'amour triomphe toujours, qui aura lieu le 8 mars 2018. Alors, le seul cadeau, le meilleur cadeau que je peux offrir à tout le monde, le résultat que je veux montrer de cette église qui va fêter ses 20 ans, c'est présenter des leaders, des personnes qui sont formés et qui sont devenus utiles pour et diriger également d'autres personnes, pour impacter la vie d'autres personnes, comme je l'ai toujours fait moi-même, parce que, comme je l'ai dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, cette formation commence demain, le matin, pour ceux qui ont le temps le matin, à partir de 10h30, sur Banalia numéro 34, dans la commune de Kassavubu. Et ceux qui n'ont pas le temps le matin, ils viendront le soir, à partir de 17h sur Banalia numéro 34 dans la commune de Kassavubu. Quand je dis 17h jusqu'à 19h, tandis que c'est du matin de 10h30 à 12h. Et là, c'est l'école de formation publique REMA. Cette école qui forme des ouvriers vertébrés, parce que la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Qui sont ces ouvriers-là qu'on va envoyer sur le champ missionnaire pour qu'ils deviennent des pasteurs laïcs, qu'ils deviennent des personnes d'influence, qu'ils deviennent des leaders de qualité dont les nations et le monde ont besoin. Voilà cette formation qui commence demain et qui concerne toute catégorie des gens, que vous soyez professeur, que vous soyez étudiant, que vous soyez élève, fonctionnaire, homme d'affaires, femme d'affaires, commerçant, commerçante, n'importe quelle personne. Voilà l'occasion favorable qui vous est donnée par votre mentor coach, le docteur Kapita Mbombe, celui qui a la grâce de former les gens pour qu'ils deviennent des personnes d'influence, des leaders, et en même temps pour qu'ils puissent vraiment contribuer au développement du pays, même là où ils sont, parce qu'on a besoin des personnes, des leaders de qualité, comme je l'ai dit, des leaders de qualité dont les nations et le monde ont besoin. Amen. Alors à ce moment-là, Ndenginaza Koloba, formation moi Munenezo Banda Mokolo ya lobby mercredi le 4 octobre 2017. Bawe bazuitan on a tongo à partir à 10h30, de 10h30 à 12h, tandis que naba pokwa, ou bazuitan on a pokwa, ko bandana 17h tina 19h. Alors formation niza pour na banani. Oui, bingana pasteur. Mais avant d'être comme pasteur, on a Zalaki Oyo, Zalaki a exercé un ministère à laïque. C'est-à-dire, on a Zalaki Kosala et en même temps, on a servi au Penzambi. Je crois que ce Oyo, qui est ancien des anciens, Oyo, Aza exemple, on a côté Oana Aza Tembete, parce que j'étais un au cadre au Conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC, qui est un organe technique du ministère des Finances. Donc, comme vous me voyez ici, je connais très bien la comptabilité. J'ai publié des articles sur la réévaluation des actifs immobilisés, beaucoup de choses, animé beaucoup de séminaires dans des entreprises. J'ai formé même des inspecteurs de la contribution, c'est-à-dire que DGI, ainsi de suite, beaucoup de gens. Donc, j'étais vraiment un cadre du commandement au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, grand formateur. Mais voilà cette personne-là que Dieu a appelée dans le ministère,
et aujourd'hui 20 ans exactement à plein temps dans le travail de Dieu. Ce qui fait que Naruhiko Pisa laissons Nabao et Nyo surtout. Nengozola nangai parce que ce que tamso s'est préparé au Kenya ici comme ça là déjà na za na studio na zo leka en direct alors yope na koyi o lakisayo que voilà nzamba o lakisayo que nié de témoin mon goboye motomo ko a travaillé plus de 10 ans si c'est-à-dire 11 ans plus de 11 ans na vie professionnelle na conseil permanent en comptabilité au Congo le so batba dit comptabilité bien à RD Congo tcha capital Mbombe wana za tembete pour batba bien au bien ça c'est la vérité amen mais voilà motoana et en même temps tant nazaï ko sala nena bina exercer ce ministère aux alliés laïcs parce que nazaï ko sala nanga mais en même temps na zo servir Nzambe et là c'était dans l'armée de victoire vous avez entendu parler de l'ancien des anciens. Quelqu'un qui a servi Dieu de bon cœur. Quelqu'un qui a eu même à diriger l'église au moment où le pasteur n'était pas là. Quelqu'un qui a vraiment un témoignage. Oyo, Eza Tembete, mais en tant que laïque, quelqu'un a Zaïko Salanae, vraiment un haut cadre. Mais a Zaïko Salanae, Pena Moussalanzambe, Boyoka, ancien des anciens. Eza, vraiment, Nzambaye Bakozo Alokoumo. Amen. Donc, laissons à Liboso, Nanina Pisa Rambato, Basalaka. Bakanzaki So Basalaka, Bakoyo Salanzambete. Alors que yo, Nazaliko invité, Banalelo, ce qui est au salam, mais pourquoi pour vous saper Moussalanzambe? C'est pourquoi nous avons invité Banda Koya au Sambelana Rema, en tant que coach. Na témoignage au pena pécio na sala na vie professionnelle na yebi musala nenge basala ngo bien avec beaucoup d'excellence d'ailleurs se retourner na conseil permanent na silsa kuna na zoa kutu même ta ceux qui blâment et ainsi de suite témoignage moko o ezali a bien amen donc un ba o ni surtout bosala ka bozo bima bozo kende sa musala o ezali balbaka séculier ya o gagné mbongo et pa ibozali mais lelo nzamba linko interpeller bino pour anda ko sala pe musala ya nzambe parce que toi na besoin nzamba na besoin na yo pour musala nzambe za ki toko koleka musala nyo surtout parce que o ya nzambe so ko sala ngo ko suka wa te ko zuela ngo récompense même na lola ça c'est la vérité amen o ko zuela ngo récompense même na lola alors que ya mukili a na se ko suka na ngo na mukili mais récompense ni yo ko zuela pa na nzambe o ya kila yo a pesa ka yo pe mabomo iloko la sikoyo o zuela nda émission oyo donc ezaloza fonctionnaire ezala so za officier ce qui est ya armée ezala so ko zali étudiant o zali élève be étudiant université de Kinshasa par exemple pour la ndarate que moto a pesa bino méditation a ye ko la na université de Kinshasa na faculté à sciences économiques na si ça na 1985 donné aux hommes économistes de formation. Amen. Donc, si on a le cas même dans RTVS 1, c'est parce que collègue Nangaï, le premier ministre honoraire, les députés Adolphe Mouzito, premier ministre honoraire, c'est mon collègue Tosilisa Anemoko, dans l'université de Kinshasa en 1985. Amen. Donc, batu belé ba ibarate ba ibika musala ya mukili alors que nzambe mtapisa ba mpe ma mbomo ime ba liko sala musala nzambete voilà catégorie ya bato o lelo na ye pona loba ba so et touché on a monté malobi mais ce qu'on a musala nzambe bisika nini na pe sur rendez-vous même temps lelo tout mardi tous en a réuni à prière pe guérison miracle na ba programme na bisu za la chaque mardi de 16h30 à 19h na banali numéro 34 na commune à Kasavubu banali ils allaient juste sotalika au Nza Gambela na rond point à force à partir à rond point à force na Gambela ti na coin à Kasavubu na katika tu na so banali avenue Kasavubu premier deuxième troisième rue ya wana ndi banali ya meso banali na rond point force toujours na Gambela je crois 5 rue 6e rue ndi wana banali à partir à Gambela premier deuxième parcelle numéro 34 et paille église Rémalamo triomphe toujours Isali. Vraiment, ça, on a passé au capital au canal télévision. Maintenant, nous avons rematé cette fois-ci. Nous avons comme invité au pendant de Oya pour comprendre qu'église est sa famille. Ou est comprendre ma mater qui toko au Yokozoa au Yoko Salaké au coma meilleur parce que n'est pas le carbone à la développer à mon connu. C'est un coma meilleur pour être moto n'a pas coûté naïe pas coma meilleur pour être naïe n'a moto te coûté naïe le quoi yom tozo l'an d'assicone émission yo naïe tout tikambo kao ya RD Congo meilleur pémo kili oyo meilleur amen. Ça c'est la vérité. Voilà pourquoi
les fers aiguisent les fers. Donc, si vous avez comme le camarade, pasteur capitaine, la télévision, mais il y a un rendez-vous banal, il y a numéro 34, na commune à Kassavou, l'élo, puis toi, na réunion à prière, puis guérison miracle, il y a un au moment à ton bon de la prière, mon co, oh, ils ont la Bible, ne va bien, je ne cesse de rendre grâce pour vous, j'ai fait mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers vous. Envers moi, capitaine Mombe, qui croit l'infinie grandeur de sa puissance et manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a tout mis. Nous avons dit que nous sommes à Makolo et à Christ. Jésus Christ, mon tout Église. Alors, le quoi, nous sommes tout Église. Église, nous sommes tous les c'est que ce que nous avons dit, c'est que nous sommes tous les comme membres individuels et corps de Christ. Alors, à ce moment-là, le quoi, nous sommes tous les c'est que nous sommes tous les c'est que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les Église triomphante de notre Seigneur Jésus Christ. Yonde, au coup dominé le colas Satan, na corps na ba démon ba mauvais esprit ba homme méchant et pervers, mais jamais Satan n'a pas eu dominé yo, parce que au fond il a Jésus Christ en position d'honneur, de triomphe et d'autorité et en position nous au régné en roi dans la vie par lui seul Jésus Christ loin de Dieu, puis aux autres dominé sur Satan, un yoka, as ennemi vaincu, deux défait, trois détrôné, quatre dépouillé, cinq anéanti ou paralysé sous tes pieds, au niatié, paix, au lobby, plus jamais sur l'ingé qu'on puisse maladie, à lâcher prise, paix, à reçu mon maladie. Amen. Voilà mes bien-aimés, voilà ma prière, Oyo, à la lumière de la parole de Dieu, n'ayez pas le bi, ou qu'on soit révélation, il y a Jésus Christ, Azana Niponayo, ou comme on a compréhension, il y a l'ilobananzambe, et après ce qu'on a compréhension en haut, oh, ils allaient mis sur mon témoignage, comment éliminer, ou qu'on a la lumière. Alors, à ce moment-là, on va comprendre l'autorité, on va appeler ça, au lieu, on va dire, on va quitter pour intervenir dans le Cambona, on va exercer l'autorité, et c'est Pessamela, on va dire, Bible, on va dire, Luc 10, 19, nous avons reçu l'autorité de marcher sur les démons, les mauvais esprits, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Amen. Voilà, mes bien-aimés, donc rendez-vous, Lélo, mardi, on a en direct, 3 octobre 2017 na banali à numéro 34 na commune à Kassavou na zo invité sur bateau oyo boyo kangara na ba télévision moya na remate tangwe koki oya na rema parce que na lobi déjà banda lobi na cadre ya branche moko ya ministère rema école de formation biblique rema na zo formé ba oyo ba singel ba kuma ba pasteur laïque ba oyo ba travailler na bango ba yaka na église te soit travailler ou puis sera dim no franc de thé okoyo ko sa pe musala nzambe la pe sur exemple ya ngai na aka ancien des anciennes armées de victoire et voilà boyo ka moto moko sala influence à makasi pe influence à nous continuer mais na aka laïque na zo travailler na vie professionnelle mais na zo sala musala nzambe ancien des anciens mais lelo pasteur église rema la mon triomphe toujours le pasteur principal 20 ans et à l'occasion à 20 ans le 8 mars 2018, voilà pourquoi cadeau qui tourne à une appel ça. Balbi un leader suscite d'autres leaders. Leader, il y a solo à susciter un leader. Voilà pourquoi on a suscité un leader. Ephésiens 4, 11 et lobby. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On a surtout déjà ce qui nous a bien reconnaître le ministère de la Bondé. Et après, on a monté Nyonso. On a quand même un salaire à Mokili. Mais nous avons dit que nous avons dit voilà, on a dit que le ministère où il y a solo, il y a laïque, comme le ministère d'aide, tant que nous avons dit secrétariat, bien ainsi de suite. Mais nous avons dit que le ministère où il y a le ministère et que amen. Donc, lobby formation en bandit le 4 octobre 2017. Nous avons eu l'année, 8 ans, oui. Nous avons eu fonctionnaires, nous avons eu ceux qui nani, montagnons, nous avons eu professeurs, nous avons eu professeurs motivateurs. Tant que vous avez professeur motivateur, c'est-à-dire que moto à terre, à ma terre, pour moto se pèlera à ma terre, en réalité, mais au mettre en pratique, pena fina yo. Ça, c'est la vérité. Amen. Et ça, le roi dans le livre Josué, chapitre 1, verset 1 à 8.
que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Le baka bien, parce qu'il y en a un coach, na le baka bien, le quoi, nzamba le baka yope, il faut le baka bien. Médite les jours et nuits. Manuela gango tongo na pokwa. Voilà pour communiquer, na lobby, toujours n'exerce sa ministère en aïe. Dans un site internet www.capitalministries.org, que le 1er octobre, na komi ko saba méditation moko biblique avant 6h, pour que nous lançons partout dans le monde, dans l'Olanda. Alors, nous avons méditation à l'élo, comme ça, vous allez comprendre, et le nazo loba o est vraiment pratique. Donc ils ont mon colo na mon colo. Au moment quand tu mets ça dans la ligue pour la lecture de la Bible, bah ça la bise ce bima, mais oyo ils ont mon colo na mon colo. C'est-à-dire qu'ils sont afin de réfléchir, ils ont besoin qu'ils ne selon ma macambo actualité et na lancer en haut pour être bateau ba méditaka lilo bananzambe. Oyebi, ce que comme un grand lecteur, vous savez on dit ceci. Si vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas diriger. Ça c'est la vérité. Et puis on dit également seulement le 20% au sommet de la société lise. Car à 20% à bateau, ce moment il y a un sommet à société. Bangon est battant là, le pasteur capital. Amen. Amen. Donc on attend à Camille. Vous savez dernièrement, semaine passée, nous avons une conférence moko et à Moussa Nzamba Outa na Ghana et à Tekiba livre. Kit na ngoi zaki au moins 40 livres. Donc vraiment tous ceux qui grâce on a kosombango awa bateki on a $50 le bosso bandai goté à 70 après $50 na kit il y a 40 livres, des très bons livres. Mais oui bah ngai na somba ba livre wana ça fait je crois depuis l'année passée mais na somba on a net na amazon.fr à peu près 17 livres. Na sombango ils appellent na ba livre penza physique bo simbi monsieur zangi na Kindle hein donc na sombi na mamu ba tinga na tablette na zo tanga na tablette ndenge zaki wana mais cette fois-ci le quoi ya ki na kitwana 40 nyo surtout na somba ki on azana ngo or na 40 livres wana na somba ki au moins 33 déjà na za kana na sina somba alors ba lobi ko to kitwana ba zali ko te ka $200 mais biso a ba sali grâce ba te ka $50. Vous comprenez? Mais nga ita on a somba kango na jika 14 livres à pamba on a somba na site internet wana na ba héros. Na jui le livre mon nombre sont appelés 12 euros. La méga église 16 euros. Nini mususu implantation d'église 14 euros. So na jika 14 livres na pesanga 76 euros. 14 gaka. Donc ce qui fait que même ta j'ai wana à 40 bazako te kan $200 ba bique ba kiti c'est libre sur 50 mais ngai le quoi na za lecteur na dépenser na investir ça pour na ngamo beaucoup plus et si na somba yango donc écoute ça c'est tant si euros et ça à 14 livres alors qu'il a 40 livres donc ce que aujourd'hui 40 on na somba na 33 wana au moins déjà ça au-delà même il y a ba 500 mais pourquoi j'investis pour la pour na yango parce que le plus grand investissement c'est dans l'homme. Bah quand c'est investissement en ndaku na banini c'est vrai au niveau ndaku au zozo bambongo ba loyer yo ndemto ozala bien mais ndaku ekotika la ndaku lobi ko ko c'est délabré le peu ko koya mais investissement katina moto ndeko moto lelo aza médiocre ba tu bazo sekaye mais ce ko investir pa ine lobi ko mi meilleur yo na ndemta ko contribuer à la société. Voilà pourquoi mon que coach formation on a formé à batou na lingara beaucoup plus investissement pa ine à batou. Le plus grand investissement c'est dans l'homme. Talaka nzambe na biso papa na lola a investi ça ka na mutu moko mwana ya likinda Yesu et après à partir à Yesu combien ba o tuzana ba chrétien to yamba Yesu lokola mokonzi pe mobix plus de 3 milliards je crois sur 7 milliards d'habitants. Amen. Et voilà pourquoi bandeko il faut tout investir na ba vie à bateau. Et ça, la bâton, monsieur, n'a pas ça, conseil, mais vous pouvez recevoir une éducation. C'est-à-dire que ce que vous avez, grâce à Koye Kolate, vous avez une éducation qui vient de Dieu grâce à la Bible. Ko regrette ten de ko non atanga te bo na boté. O ko zo éducation malamo e goutier pa ina nzambe grâce à la Bible. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que bâton, monsieur, va pas qu'on atanga te non, osana valeur, osana. C'est-à-dire que. Osa semence moko nzamba bwaka anase et nakati ya semence ezaka toujours na nzete et nzete wana
un jour au monde à ceux qui va boire qui s'émance et au bandeau germer et coli après et comme ils étaient mon bimbe comme comme ça bambouma bateau bandeau ya ou lia bambouma dans cette ouana donc voilà finalité ils allaient à vina yo aux as s'émance et comme en cette pe bateau bandeau ya comme lia bambouma bande que bazar au télé même le colan cette ouana alors pourquoi ma mère en dégueu la bande que il faut pas coacher aux ana mentor aux ana coach le quoi pasteur capital t'as la 20 ans naïbi cause à la pasteur principal église et Rémi Malamou triomphe toujours 10 ans, 6 mois, 6 jours, ayant servi dans un autre ministère au Yoga, ancien des anciens, et plus de 11 ans à la vie professionnelle en tant que ministère laïque. Donc, par exemple, on a mis ce truc sur la route pour que non, nous sommes à Koutalinae, le quoi là se développera comme ma mère, Tarakara, n'a dépensé. Ça, c'est 106 euros, on a 14 livres dans un an 33. Donc, déjà, on a en même temps on a plus de 300 euros. Il y a aussi un livre. Le livre, le tekeli, le pasteur, on a un somba qui quitte. On a $50, mais on a un somba déjà bien avant. C'est pour dire tout simplement, on a un livre qui est développé. Oui, mais en même temps, on a un livre millionnaire. Quand on a toujours un million, alors que qui est comme une personne personne a un million. Donc, on a un million qui est glissé dans ma boucle. Il faut d'abord qu'il est comme une personne. Et quand là, on a comme une personne. Tu es déjà un millionnaire, tant aux abats millions, au simbango bien payé, au sel là on a néanmoins malamo. Amen. Alors pour la silica, na salika lecture ya méditation journalière. Donc sur le côté na site internet na ngawana www.capitalministries.org. Sur le cliquer ou bien sur le côté quand même na Facebook, lien on a déjà si bâtiment on a Facebook. Tant au cliquer au moment la méditation et le biboye. Méditation journalière de ce mardi 3 octobre 2017 sur le thème « C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer ». Le passage clé, c'est Proverbe chapitre 10, verset 22. Alors, Réma du jour, parce que mon colonius, tant on a pris sa méditation, on a bien un Réma du jour. Réma est dans la grecque, il y a vérité révélée. C'est-à-dire que, sauf on les Bibles, les logos. Mais tant on kouye, tant on a un et l'obélio ni kambo moko na situation moko bogo songolo alors à ce moment le komi rema pona yo ba ah li kam pasteur capitaine ou tikoloba on dirait vraiment zaka ngai ba l'obélio ka ngai et comme des rema pona yo amen et ba rema nande na baba ozwa révélation solo ya liloba na nzambe oyé ba déjà o ezala ka yo kati na Yesu non pas o muta koloba na yo tala na nina sala bo pona mais o ezala ka déjà yo kati na Yesu parce que ba tu délé ba za ba ignorant na o ezala ka yabango kati na Yesu. Alors écoutez maintenant ces rema du jour tel que vous pouvez les lire aussi sur les sites internet comme aussi sur Facebook. Je crois que partout dans le monde les gens sont en train de les lire et je le fais chaque jour, c'est depuis le 1er octobre 2017 ici. Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et Proverbe chapitre 10 verset 22 n'affirme-t-il pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin? Le mot chagrin est traduit labeur. Et la bénédiction abolit tout labeur pour gagner sa vie. Inutile de travailler dur pour obtenir la bénédiction de Dieu. Dieu n'a pas mis de prix sur la bénédiction. Que vous gagnez le salaire minimum garanti ou que Dieu vous ait appelé à être directeur d'une institution financière ou je ne sais pas moi quel poste que vous êtes en train d'occuper parce que vous vous préparez pour aller au travail. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu et la Bible et la constitution de son royaume dit que la bénédiction œuvre en notre faveur. Le monde s'efforce de se souvenir à lui-même sans la bénédiction. Ils disent, nous devons gagner notre vie. Nous fixons des rendez-vous. Je vais faire le terre à faire, ainsi de suite. Mais la constitution de Dieu... Donc je prends... Dans un appel, on a évité ce qui... Des voisins directs. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, je vous écoute. Vous suivez l'émission en direct? Oui. Oui, qu'est-ce que vous dites alors? Allô? Ah, Namoun Deko, peut-être tu vas rappeler après le temps que je termine un peu cette méditation que je vous convie à pouvoir faire jour et nuit et vous aurez du succès, vous allez commencer à agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Alors, je disais,
Mais la constitution de Dieu, la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand nous recherchons la bénédiction que nous vivions selon ces principes, par la foi en la parole de Dieu, alors elle fait en sorte que toutes ces choses nous soient données par-dessus. Comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste, à manger, à boire, à se vêtir, nous serons donnés par-dessus tout. » Alors si Dieu vous a donné la mission d'être pasteur, berger comme moi, ou quoi que ce soit d'autre, je ne sais pas si Dieu vous a appelé à être directeur dans une banque, commerçante, homme d'affaires, je ne sais pas moi. Alors, il a besoin de vous à cet endroit, comme ceux qui se préparent pour aller au travail. Quand vous irez au travail, là où vous serez, Dieu veut que vous soyez là-bas. Amen. Mais écoutez, tout ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10, verset 7. Mais à cause de la bénédiction, vous n'êtes pas limité à ces salaires. Dieu peut utiliser un employeur. Alors, écoutez, c'est très important. Dieu peut utiliser un employeur pour être un canal, mais il n'est pas votre source. Si je travaille, par exemple, 40 heures par semaine pour un employeur, par exemple, si tu travailles dans une société pour un employeur, 40 heures, 8 heures par jour, fois 5, 40 heures, pour un employeur, par exemple, la foi du moineau, vous savez, la foi du moineau, dans Matthieu 6, 26, la Bible dit que les oiseaux mangent, mais alors qu'ils n'ont pas travaillé. Vous comprenez, c'est ça ce qu'on appelle la foi du moineau. Alors, à combien plus forte raison quelqu'un que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, peut souffrir sans manger, alors que l'oiseau n'écoute au monazolé à ma salité. Amen. Alors, la foi du moineau dit que je travaille pour Dieu et pas pour un homme. L'argent que je reçois de mon employeur n'est pas ce qu'il me doit, mais plutôt la provision qui est mise à ma disposition par la grâce, comme un don de mon Père, qui m'aime. Ce qui fait que Dieu est la source de mon approvisionnement et que mon employeur est simplement les délégués ou les canaux par lesquels est acheminé mon approvisionnement. Alors, pour terminer, écoutez ce que cette méditation dit. Seul Dieu, grâce à la bénédiction d'Abraham, qui est notre en Christ et Jésus, est notre source. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà la méditation journalière de ce mardi. Je suis en direct, 3 octobre 2017, sur le thème, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Amen. Et Zali Pamboli, en Zambé, on dit que faire prospérer, bisous. Lipamboli, la bénédiction. Oh, Boulaninga, Mikolo, nous sommes là, qui bénédiction, en Zambé, prononcé, qui on a battu, Ali Bosso, qui là, qui Adam, dans Genèse 1, 28, nous sommes là, qui n'a pas Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ndeko, soko et ambiye, parce que, tant bénédiction, on a basé le bango, ils en a pas facette et belé. Et na katia bénédiction, on a, tous en a nouvelle naissance, il faut d'abord, oyambaye, sur le coup, la mokonzipe, moubik, c'est parce que point de départ, yangwana. Après, ce que oyambaye, ce commis, rempli du Saint-Esprit avec l'évidence du parler à l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et en même temps, bénédiction, c'est ça, là, que, ce que, oyébiango, na ma pipi, na yeso, biki, sa ma soza malade, indekolobika maladie, longwa, eko longwa, qui si na yo, koma li lobananza, menenge proverbe 80 à 22, lobi, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour toi, la parole de Dieu, la santé, les remèdes, le médicament pour tout ton corps. Donc, il y a un peu de temps pour la banque de ton abisso. Il y a un moment dans la terre, dans le 1er janvier, le 31 décembre, Nameli qui c'était pour qui c'est dans les années. Il y a un peu de temps et Dieu me rend la vie selon sa parole. C'est une bénédiction. Bénédiction aux assonines, délivrance. J'ai été déjà délivré de l'autorité satanique. Yesu sa si kolanga na o nous ali à Satana. Ah, si vous n'avez pas entendu, vous avez appelé là, dis-nous. Parce que vous avez compris le message. Allô? Bonjour. Je suis content de la prédication. Oui. Vous venez de dire tout ce que là, que Dieu avait dit à Adam et Ève. Oui. Dieu les a bénis. Oui. Les avait bénis pour qu'ils soient féconds. Oui. Mais pourquoi nos frères, les autres frères disent qu'ils n'avaient pas la bénédiction sur l'accouplement? Est-ce que maintenant,
ça. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer ou bien me prêcher un petit peu pour avoir été la réalité. Puisque nous, nous disons que Dieu les avait interdits. Il les avait dit de ne pas toucher à l'arbre du fruit. Oui. Et ils avaient touché. C'est quand même le péché. Alors, c'est nos frères ou autres, c'est une confusion. Vous dites que non, dans cette bénédiction-là, c'était pas comme ça. Alors, vous, pasteur, je ne sais pas si vous allez aussi m'apporter quoi sur ma foi. Effectivement, merci. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vous savez, quand Dieu avait béni l'homme, c'était les toutes premières paroles que Adam avait entendues. C'est-à-dire les êtres humains que Dieu a bénis. C'est-à-dire la dernière œuvre de création de Dieu, c'était après avoir créé l'homme à la fin du sixième jour, avant d'entrer dans son repos, quand il est entré dans son repos, Dieu avait prononcé la parole de bénédiction sur l'être humain qu'il a créé, c'est-à-dire vous et moi. Soyez féconds, multipliez. Et effectivement, soyez féconds veut dire si les gens sont mariés, moi je parle du mariage, Liba les a bien, on me connaît avec ma charmante épouse chérie Adolphine. C'est qui revient à dire que ceux qui sont mariés, si vous n'avez pas encore d'enfants, croyez que Dieu vous a béni et vous aurez des enfants. Je vis des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, qui n'avaient pas encore d'enfants et ils ont eu des enfants par la suite. Donc il faut croire à la bénédiction que Dieu avait prononcée sur l'homme avant que l'homme ne puisse manger du fruit défendu. Parce que quand l'homme a mangé du fruit défendu, Adam, certainement parce que c'est à lui qu'on avait donné l'autorité, c'est à ce moment-là que l'homme, par son acte qu'il a commis, il a lui-même entraîné la malédiction. Ce n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un en même temps, il le maudit. C'est l'homme lui-même par son acte de rébellion en mangeant le fruit défendu qui l'a entraîné la malédiction dans sa vie. Et voilà pourquoi les gens sont entrés dans la malédiction. Mais Dieu, dans son grand plan de rédemption, il a envoyé son fils Jésus qui est venu nous racheter de cette malédiction de la loi. Voilà pourquoi j'ai toujours, même dimanche, j'avais prêché dans 1 Jean chapitre 4 verset 9. Nous vivions par Jésus-Christ parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction, soit de la mort spirituelle, séparation avec Dieu, parce que Jésus, c'est le seul remède au péché. Il nous a délivré également de la maladie, de la pauvreté, de toutes ces choses-là. Ça, c'est en Jésus-Christ. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire la bénédiction, c'est avant que Adam ne puisse manger du fruit défendu. C'est cette bénédiction que Dieu avait prononcée au départ. Et c'est la même bénédiction qui a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui et nous sommes bénéficiaires de cela par Jésus-Christ. Et dans cette bénédiction, il n'y a pas que seulement la bénédiction de fécondité, mais c'est la prospérité. Il faut amener la bénédiction là où vous allez, comme dans le lieu de travail. Je prends encore cet appel, allô? Oh là là, que mon bien-aimé reprenne encore. Les numéros sont là, 089-555-70-42-099-99-370-79, 081-812-0092. Donc, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que dans la fécondité, c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage. Mais c'est déjà quelque chose dans ces domaines-là du mariage, tant on sait que pour qu'il y ait fécondité, pour que les gens puissent avoir d'autres enfants, il faut être marié. Ça, c'est la vérité. Mais cette fécondité veut dire aussi prospérer. C'est-à-dire que quand vous croyez que vous êtes béni, en sortant de votre maison, là où vous allez, c'est vous qui allez apporter la bénédiction là où vous allez. C'est ça aussi la fécondité. Soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu, vous devenez une bénédiction pour les autres et vous allez vous multiplier par d'autres personnes. Comme moi, je l'ai dit, je suis un pasteur béni avec une équipe de croyants bénis, aussi dans un pays béni, la RD Congo. Moi, en aucun jour, je peux dire que je suis dans un pays maudit. Jamais. Parce que je suis un homme béni avec une équipe de gens, des croyants bénis et aussi dans un pays béni. Ce que nous disons, c'est ce qui s'accomplit. Donc voilà un peu dans ce sens-là. Donc cette bénédiction que Dieu avait prononcée, c'est la même bénédiction qui a traversé les âges, même jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement quand Adam a mangé du fruit défendu, c'est la malédiction qui est venue. Mais Dieu, dans son grand plan de rédemption, d'abord avec Adam qui a échoué, après avec Noé, avec ses enfants également, qui n'ont pas pu atteindre aussi l'objectif que Dieu voulait, ce n'est que par Abraham que cette bénédiction s'est accomplie et qui pouvait se limiter seulement à la nation d'Israël, parce que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais celui qui était le bénéficiaire, l'héritier de cette bénédiction, c'était Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on nous dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc cette bénédiction devient aussi notre. C'est pourquoi vous voyez que je venais de dire, seul Dieu, par la bénédiction d'Abraham qui est notre en Jésus-Christ, est notre source.
Donc celui qui sait que Dieu est sa source, il ne pourra jamais dire que son travail c'est sa source, mais le travail c'est tout simplement un canal. Parce qu'aujourd'hui, tu peux quitter ce travail-là, on peut te renvoyer, mais tu ne diras pas que tout est fini dans ta vie parce que tu es en train de vivre par Jésus-Christ et tu es déjà béni et c'est toi qui deviendras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Voilà, je crois que j'ai bien expliqué cela. Donc la fécondité, effectivement, ça je l'ai dit pour les gens qui sont mariés, peut-être qui n'ont pas encore des enfants, croyez que Dieu vous a béni. Et vous n'êtes pas dans la malédiction. Et ce qui fait que cette bénédiction à laquelle vous êtes en train de croire fera en sorte que la fécondité sera là. Dieu vous donnera des enfants. Vous aurez une grande famille. Mais croyez que cette bénédiction veut dire que vous êtes béni pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Amen. Voilà, Bandeko Balandi, fidèle téléspectateur. 099-99-379-79. Nazan direct. 099-99-379-79. 089-555-7042, 089-555-7042, comme aussi 081-812-0092, 081-812-0092. Voilà, Nazan, vraiment direct, il faut te croire la bénédiction. Vous voyez, na sala constat awa parce que nga mona za télé évangéliste na banda côté à la télévision radio banda kala mais le batu comme la malédiction. Car malédiction, malédiction. Vous savez, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Moutazali ka boubele n'inga kanisa. Sous offert kanisa, yé mi kamo boye. Ao kanisa, mope aï komi yango. To kanisa ka bien, to kanisa ka teza béni. To kanisa ka teza mbo kamo keza béni. Total à l'apparence, vous soutenez, Bible, le but, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce que Dieu permet, ce qui est parfait. Le monde est programmé négativement, mais nous, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivions par Jésus. Et nous sommes appelés à devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est ça la vérité. Nazu soit appelé. Allô? Allô? Oui? Allô, pasteur, que Dieu vous bénisse. Oui? Merci. Je vous appelle à partir de la Moukama. Je vous appelle au Ah, vous êtes où? À la province de Lomami. Ah, Lomami, ok. Vraiment, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Voilà le mot même que nous utilisons, la bénédiction. C'est le seul mot qu'il faut prononcer, surtout dans notre pays, dans ce contexte ici. Parlons bénédiction, bénédiction. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Bandeko. Bapamolingaï. Pour que nous puissions pas non. Donc, il peut pas mourir là-bas. Amen. Là, tu me souviens quand ça a été, ce qui a été, c'est que nous pas mourir. Et yondi manzambe a pas mourir là-haut pour yo, ce que comme bisika moko boye, li pas mourir côté bisika wana. Amen. Nous avons dit ma bisika nous sommes allés là bande ko, même la changement. Bah tu boyoka ancien des anciens, président provincial Église à réveil, bah makambo délé ancien. Donc c'est ça l'impact. Amen. Kolo barema, kolo liba les avien. Amen. Ba maman, ba papa ou bobala, bondi mabouza béni. Et la bénédiction, la nzamba, qui soyez fécond. Le roi, qui soyez fécond. Moutoumou, le bate, boza maudit, boko botate. Et que salamate, boko bota, ça, je le proclame au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, tout dimanche, à temps, on a l'équipe en direct. Ils ont un dégommé prophète David, à Benga Ingaï. Tant à Benga, le but, tu as un chéri nanaï, Falon. Ils ont un tongo. Alors, tant que comme après-midi, nous avons des chérines et soirées avec Bota, donc Baboti, Bakumina bébé Nabango. Donc, Baza, Bato, Bara, l'église, Bazao, Sambé, le Painangaï. Dernier mariage, on a Pambola qui 67e mariage. Ils allaient qui, je crois, les 10 juillet 2016, année passée. Donc, mariage 67e, on a Pambola. Talalelo, Bazu, bébé Nabango. Donc, Bota, Maïga, dimanche, tant qu'on a allé à la télévision, Babinga, on a la Babotité. Et après, dans l'après-midi, il y a Bota. Mais avant Bota, il y a des complications. Il y a des gens qui ont un pasteur, il y a des gens qui ont parce que nous croyons que nous sommes bénis, nous sommes maudités. Kinshasa, nous sommes maudits, nous sommes maudits, nous sommes maudits pour nous. Non, nous avons été déjà délivrés de l'autorité satanique. Nous avons été déjà guéris par le maîtrise de Jésus. Ça, c'est la vérité. Vous savez, je vais dire une chose importante. Jésus a été fait péché pour nous afin que nous soyons rendus justes. Le seul remède au péché, c'est Jésus.
Lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que par Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Tu ne peux pas devenir juste aux yeux de Dieu si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que Jésus est le seul remède au péché. Ça, c'est la vérité. Amen. Il a porté nos maladies sur la croix afin que nous puissions être guéris. Hier soir, mais on va passer la personne écoulée sous pour biso tobi qui s'ama. Ce qui fait que sur la narration, sur la maladie, nous avons la maladie, l'oba maladie, l'ongwa pour hier soir, mais on a écoulé sous dans ma pipi, sur la pipi s'ama. Amen. Ça, c'est la vérité. Il est devenu pauvre pour nous afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. A comment qui pauvre pour Nabiso alors qu'il y a ça qui est riche pour Biso le retour à la pauvreté. Boy la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la Bible qui le dit dans 2 Corinthiens 8, 9. Voilà Bandeko, Babiloko Ezali, na cadre à bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer. Et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Efforts n'y ont la poyo bikisama. Parce que Yesu de sa salaire on a eu colosse pour na biso yo ndimanga na mapipi na Yesu to bikisama et fort nous yo salama pour yo kangolama parce que Yesu sa salango a le dit na biso na 1 Corinthiens disons na Colossiens 1 12 rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a déjà délivré de l'autorité satanique et nous a transporté par la nouvelle naissance dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption le pardon des péchés. Rendez grâce au Père qui nous a rendu déjà capables d'avoir part à l'héritage de ça. Qui nous a déjà délivré, non pas pour délivrer, qui nous a déjà. Et ça, quand on l'a dit, ça, si qu'on l'a dit, et ça, biki sa biso, ndima ka yango, proclama ka yango, oh, tolo baka yango, ndemte koki sa maka yango, moni na lubi méditation, ou banda roulanda ba écrit nanga chaque jour, na www.capitalministries.org, ou gozoa ba pensa malamo. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, l'oba kayango. Tant aux autres, l'oba, ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplira. Parce que nous sommes l'oba, mais on va plus vivre dans les amabis. Sur aux autres, l'oba, l'âme, on vit dans les pays aux amalames. Selon la circonstance à mobilité. Il y a un problème au Moniango, il y a un problème, il y a un problème. Dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, tu auras ce que tu dis au Kozoao, au Zoloba. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, je veux changer ma vie, alors que je veux ma vie. Vous savez, la Bible dit, l'insensé étale tous ses sentiments, mais l'homme sage sait en retenir les siens. L'insensé. Donc, il étale ses sentiments. Il est là, 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 tout le reste que puisse amener à l'école. Allô? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Bessis, je suis au cas d'affirmant la commission de la mine et la rivière sous le nom de la télé. Il y a 20 ans, la parole en ligne, Birman, la radio me sanctifie. Oui. C'est par rapport à Saint-Denis que nous sommes vraiment armés de victoire. Vraiment. Un premier qui sera content un dimanche, deuxième kit, je me célébrer à vraiment. Vraiment. Je suis un ancien des anciens. Amen. Je suis un ancien des anciens. Des anciens. Amen. Amen. Nzamba pambolo mingi. Siko ndeni. Ozoko baka na mama nzambe. Nzamba zalokumu. Ilo pinga pina ilo na ili ya wana. Biba o. Basala misala. Me basala msala nzambe teba anda kusala. Amen. Basala la nzambe. Amen. Tabasala musala mukili. Kuna izali pamboli monene. Amen. Vraiment, nous avons pas mal à mingi à pas mal à nous tous au sala libota na yo ma nous surtout vraiment bénédiction à nous en ango et pas nous tous aux ala même pas bénédiction à pour avoir nous na combo na yo. Amen. Merci. Voilà des témoignages à mon ang à yo quand a 20 ans talaga 20 ans lui au mon ang allô qui na sala kaka. Allô. Oui. Bon, bonjour, bien-aimé. Je suis un peu plus à moi, je suis un peu plus à moi, je suis un peu plus à moi, je suis un peu okay.
Découvrez-nous ceci. Merci. Je crois que j'ai ma ponaïo. Vraiment que Dieu vous bénisse aussi. Boebi, tout là, la canne à ma canne ici. Vous en avez souci, le bien à la canne. Mais ce qui est l'amour qui n'a pas été manuel, le bananzan de l'Ouanne Boyoki, et que sa solution à ma problème. L'Ouanne Nengé, il y a solo Ndeko, à Outikoloba, à la lagne à ma problème financier. Mon Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et que change t Malédiction, c'est qui tant ou Adam alia qui mbouma. Mais tout vivant, le coup, c'est qui Adam avant lia mbouma. Bénédiction, nous avons prononcé qui. Amen. Et après, malgré wana alia qui mbouma, nous avons plan de rédemption tinda ka Yesu. Et bénédiction Abraham, ou yata, héritier dans Zaka Yesu, pe biso, Isaïa biso, soto yambi Yesu, le coup, la mokonti pe mobikis. Ce qui fait que même to zangi mbongo, kondi mate koyo, ou le baon na zangi mbongo, ou to le baon na zama be, le baon na za beni, pe na zone di makina ou beni mouton moussous. Tant ozo le baon nzamba a koza le pate, a bi me mwana nene azo talaba situation a ete, me azo le baon ya zo kwa e pa inangai, alo ako koni sope bo mou ikolande la, li le baon ae. O mwana nan obimara bo mouton mou a pamboli a bengi yo, makamini se tupe et tamboli malamo. Amen. Ça c'est la vérité bandeko. To longo la babi loba malédiction. Bénédiction nzambe. Et bade liboso obota mayasika oyambi Yesu. Poso obota me fongoli ba porte nyo surtout ya ba bénédiction aux malades aux hommes na ba maladie au longwa yango moko. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour pasteur. Ah, bonjour. En tout cas, c'est peu vraiment ma tia na ya tongo le zomba liboso na ko lambe na tia. Vraiment. Donc ça ba problème mon boue tout le temps et c'est cela qui m'arrive la dernière fois. Une année na zo concevoir. Amen. Bible dit qu'il n'y aura dans les pays ni femme stérile ni femme qui avorte. Ce qu'on dit, c'est que la bénédiction n'est pas là. Tchaka le bon, on a mon tour. Le bon, on a béni. Le bon, on a dit qu'il n'y a ça, je l'ai dit, on a pu ça l'étatolier. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Croyons à la parole de Dieu. Dieu nous rendra la vie selon sa parole. Prière mon cou, c'est dans la toujours. Il y a psaume 118, verset 119, verset 25. Seigneur, rends-moi la vie selon sa parole. Je crois 118, verset 25. Comme il s'en a beaucoup, il colande à l'Ilobana. L'Ilobini, Naza béni. Même dans nos beaux titres, on a le beau béni, on a fécond, on commande les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh, ils allaient quitter. Nous avons créé un biso. Que la biso poto gagner vite, mais poto créer vie. Et vite, on crée, on a maloba. Tout le baka bien, tout le baka bien, ou les autres compliqués sous ma vie, tout le baka bien. Dites des choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça le principe. Nous avons des ténèbres, nous avons des bandeli. Quand on a que la lumière soit, et la lumière fut, ténèbres, longwaka, puis ma ramenu se tambo la malamu. Nandimi que ma ramenu se tambo la malamu, nabao boulandinga ilélo, tarabam sous 20 ans, bayo monanga ilélo. Parce que tamso dans les karaté, soit vous voulez soutenir le ministère, ou bon monanga, soit vous voulez nana les ganam, colonie, son akolika. Yaramoni même na site internet, kuneza le quoi, site, nanga, mou connu, son azotia ba pensée, bat bazulanda. Ba maté, après, monsieur Zolé. Mais ce qu'on a chaîne et singa bambou et belé. Tala le lot, n'a les canana mardi, t'es à émission ou à récupération, mais n'a les gars dimanche, hein? Donc dimanche, nous sommes 5h45 en direct, na RTVS émission La Voix Triomphante, puis rediffusion en mardi, le roi mardi à le lot, n'a 0h45, je crois qu'il va boum, c'est l'anglais bâti en même taba 0h ou bien avant 0h, la rediffusion. Amen. Donc voilà un peu le roi n'a pas informé, donc le lot n'a l'équipe exceptionnellement, mais tala bâti à 20 ans, bah au découvrir. Anciens des anciens, ainsi de suite, na singi que bouya ba formation zo banda pour la catégorie nyo suya batou lobby mercredi les 4
kobandana tongo ezo pesa maraba mercredi de 10h à 12h na bawo ya tongo ya pokwa de 17h à 19h à l'occasion à 20 ans à Rema et kozala le 8 mars 2018 et kuna na présenté ba leader de qualité o mboka RD Congo ezana besoin nango ba entrepreneur o ba ko créer ba actif pe ba jui ba tuna misala pe ba contribuer na développement ya mboka pe ba oyo bazali vraiment ba véritable leader de qualité de personnes d'influence. Voilà, nzamba pambola bino ya mingi ndenge bolandi na mokolo na lelo émission à lelo la voix triomphante ezaki exceptionnel pour na lelo na lekara dimanche na répéter en haut à partir à 5h45 on a en direct chaque dimanche na RTVS 1 satellitaire et ceux qui bino olobi a pasteur na za pesa bambon pour na lekara mokolo nso na za na disponible pour na pesa barema mais seulement les logos na likubi na lekara une fois à cause ya ba moyonga mona chaka sori bino pe vomi ko soutenir nzamba ko pambola bino ya mingi bozo ba mate ya bien parce que je suis vraiment bien assis pour que vraiment na pambola batu talaka 20 ans ndeko moka témoigner c'est vraiment merveilleux botika la malamu numéro na ngai 099 9 3 70 79 0 81 812 0 0 92 comme aussi 0 89 555 70 40 et monsieur Sili Boroui Obenga même yango nzamba pambola gloire kazadi o asunga ki na niveau ya régie ndenge bolandi ngai na bingi bino na rema banali ya numéro 34 na commune na Kasavu lelo 16h30 sokoyé kilti na biso ezali tokosamba la pe banda kosambela na rema wana kozo vivre nga en live mokonyo su okopambolama chaque mardi chaque jeudi de 16h30 à 17h à 19h tandis que dimanche à partir à 7h wana toujours na banalia numéro 34 na commune ya Kasavu banalia numéro 34 na commune ya Kasavu. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission La Voix Triomphante avec votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque mentor coach docteur Capitaine Mbombe. Suivez mes méditations par écrit sur Facebook. Tous les jours, je les sors avant 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom.